Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle session. Sur le coup, on a fait du poisson la dernière fois en stalking. Enfin, moi j'ai décroché un beau poisson, mais Sylvain en a fait un. Donc là, pêche d'obstacle. Et bête chère, on va. Enfin, moi je l'ai mis, mais on va. Voilà, au cul des cannes. On va arranger ça un petit peu mieux. On va en mettre une en amont, une ou deux là. On va voir. Vous voyez, il y a des branches. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des branches au fond de l'eau. Ça va vraiment être une pêche forte. Première partie de la journée stalking et deuxième partie de la journée, soit la nuit, ça va être une pêche très forte et on risque de se mettre à l'eau et enfin ça s'annonce mouvementé, je pense. Je vous tiens au courant. Alors voilà mon premier montage, donc un montage inline, vous l'aurez remarqué, monté en direct sur une tresse. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous aurez pu remarquer que je viens de changer mes bobines. Avant j'étais toujours en nylon, maintenant deux nouvelles bobines en tresse. Donc mon montage se constitue d'un anti-tangle, d'un fluorocarbone relativement fin, monté sur un crank en IQ des rigs avec une petite gaine thermo pour obtenir l'agressivité voulue et non trop prononcée qu'on peut parfois avoir à cause du fluorocarbone. Donc après, hop, là on est sur un maïs flottant et maïs naturel. Du coup ça vient se déposer tout de suite sur le fond, je vous montre ça tout de suite. Donc vous pouvez voir que ça se dépose sur le fond vraiment de manière sympathique et agressive pour les carpes. Voilà en ce qui concerne ma première canne. Oh mon pote. Elle te met la lumière. Qu'est-ce que tu en dis? Parle un peu à la caméra. Putain. Ah, tu es toujours. Je vais mettre. Attends, déjà je vais mettre la. Deux carpes qui sont arrivées. Ouais. Je venais de tendre. Voilà, premier poisson. On va aller monter l'épuisette. Ouais. J'arrive, je mets sur pause. Bon, comme vous avez pu le voir, on vient de faire une super belle commune, donc canne en main, j'étais en train de régler mon sto, je venais de vous présenter le montage, j'ai lancé et voilà, une belle commune. On avait une très jolie miroir à côté, je me demande si c'était pas une foulie. Ça va être une paire de mans, une sacrée paire de mans, je les ai attrapées parce qu'elle m'a mis une misère pas possible là. Et vous allez le voir sur la vidéo. Voilà, donc en fait le problème, c'est que là, j'ai pêché en inline. Pêché en inline et le plomb s'est débloqué de l'embryon de la sorte. Du coup, pour contrer ce souci, je mets une petite chevrotine au-dessus qui a pour but de bloquer le coulissement du plomb. Voilà, comme ça. Après, on prend une pince de chantier, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. On l'écrabouille bien. Non. Voilà, pour obtenir un rendu comme cela. Et on va s'empresser de retendre ça.
et en espérant que Sylvain attrape un poisson avec ce montage donc qui m'a permis de faire le poisson. Je viens de vous présenter. Ah tiens d'ailleurs, l'IQ, c'était mal mis. Une piqûre parfaite hein, de ce montage, on le valide. Attention, moins fort le moulin, moins fort. Je touche pas, c'est mes doigts. Parfait. Voilà, donc on peut voir que la petite chevrotine a bloqué le plomb. On va aller voir. Oh, Sylvain, il se prend la misère là. Ça, c'est un beau poisson d'une dizaine de kilos. Sacrée commune. Pas l'habitude, mais c'est des bons moulins. Faut donner de l'angle, faut pas qu'elle frotte trop la bordure. Vous attendez pas à le faire là. Ça c'est un beau poisson Sylvain. Waouh 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 waouh, cette commune monstrueuse. Yes mon pote. Waouh, ça c'est une commune de 13 kilos au moins. On a pesé. Monstrueuse. Waouh, super content. Je vois du stalking là. Je pars un peu en mode bordel, mais. Ouais, vous l'aurez vu d'ailleurs en direct, mais. Waouh, se fiche quoi. Un beau poisson. Une énorme commune pour Sylvain. Énorme commune. De rivière. Alors, ça, c'est du beau poisson de rivière. Piqué. Juste dans parfaitement, le coin. Juste dans le coin. Hop, regardez comme c'est parti. Nickel. Voilà, enfin c'est ça, c'est de la. C'est du propre. De la vraie pêche. Après. Mange pas mal. Ouais, elle va aller avec sa copine. Sa copine, peut-être que. Faut que tu pousses. Si, enfin, faut mettre les mains dans l'eau un peu, mais faut la pousser vers le bas. Parce que sinon, elle flotte. Jusqu'à qu'elle comprenne qu'elle est dans l'eau.
là-bas.